Nous allons maintenant aborder le chapitre de l'inversion. Tout d'abord, nous avons deux cordes vocales. Quand le souffle est compressé, c'est-à-dire quand nous chantons, les cordes vocales se touchent. Quand nous allons vers l'aigu, les cordes vocales descendent. Et quand nous allons vers le grave, les cordes vocales remontent. Mais attention, il n'y a pas que ça. Il faudra suivre aussi le mouvement de l'air. Le souffle va suivre vos notes. Pour aller vers les aigus, vous allez descendre avec la compression abdominale. Pour remonter vers les graves, le souffle va se relâcher et vous allez repasser par devant. Vous compressez pour les aigus. Vous relâchez pour les graves. Quatre.